Today, we'll break down the TED talk Se libérer du regard des autres en 5 minutes to boost your confidence in French. First, we will watch the full video in French with French subtitles. Then, I will read each line to you in slow French and translate them into English. Last, we will test your knowledge by watching the video again without subtitles. Let's begin the video. Du coup, je me suis lancé un défi, le défi de faire Plein de choses que je connaissais pas et qui m'effrayaient liées au regard des autres. Ça a commencé avec le fait de lever la main en cours. Mes potes me disaient Mais tu penses que tu vas un jour arriver à être confiant En levant la main en cours, tout le monde sait faire ça. À l'époque, j'étais trop stressé pour pouvoir répondre que oui, mais c'était bien la seule idée que j'avais. Alors j'ai levé la main en cours, abordé des centaines d'inconnus, allé voir ces filles qui me plaisaient, parlé en public. Je me suis même lancé le défi d'aller dans des boîtes de nuit et parler à la première moitié de la boîte de nuit, leur dire bonjour. Et en fait, je me suis rendu compte que la deuxième moitié de la boîte de nuit, celle qui arrive après, ben du coup, elle se dit, mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vu que tout le monde a peur du regard des autres, et tout le monde a envie, dans les yeux de l'autre, de paraître important, du coup, la première moitié de la boîte de nuit, dès qu'il passe à côté de moi, il faisait salut. Donc, j'avais des gens qui me demandaient, mais est-ce que tu es le fils du patron Est-ce que tu es une célébrité Qui tu es Et ça m'a... Fasciné de me dire que quelques détails dans ma communication, dans ma manière de respirer pouvaient tout changer. Donc je me suis dit, je vais lancer une chaîne YouTube. J'étais encore stressé, pas très à l'aise, mais j'ai envie de partager au plus grand nombre comment faire pour arriver à être plus à l'aise. Donc je démarre ma chaîne YouTube. Déjà, je mets plusieurs jours à oser me filmer. Je mets plusieurs jours à oser mettre ma vidéo sur YouTube en privé. Et je mets plusieurs jours à oser cliquer sur le bouton publier parce que je me dis mais qu'est-ce qu'on va penser de moi C'est drôle d'ailleurs notre cerveau parce que j'imagine que d'un coup la Terre entière va voir ma vidéo alors qu'il y a un milliard de vidéos. J'ai trois abonnés, moi, mon deuxième compte, ma mère. Et il y a un type qui sort de nulle part, je pense que YouTube a embauché une bande de cousins là pour entraîner les personnes qui ont du mal avec le regard des autres. Il y a un type qui sort de nulle part et qui marque, David, tu mérites pas de vivre. <laughs> J'en rigole aujourd'hui, je n'ai pas vraiment rigolé sur le coup. J'ai continué de faire des vidéos, plusieurs centaines de vidéos. Chaque vidéo, essayer de faire quelque chose de différent, de nouveau, faire des vidéos dans le métro, faire des vidéos dehors, et essayer d'apprendre à devenir un meilleur communicant. Du coup, je me suis lancé un défi, le défi de faire plein de choses que je connaissais pas et qui m'effrayaient liées au regard des autres du coup je me suis lancé un défi 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 le défi de faire plein de choses 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 que je connaissais pas et qui m'effrayaient que je ne connaissais pas et qui m'effrayait que je ne connaissais pas et qui m'effrayait que je connaissais pas et qui m'effrayait lié, lié au regard des autres lié au regard des autres lié au regard des autres du coup je me suis lancé un défi le défi de faire plein de choses que je connaissais pas et qui m'effrayaient lié au regard des autres ça a commencé avec le fait de lever la main en cours ça a commencé avec le fait de... ça a commencé avec le fait ça a commencé avec le fait Ça a commencé avec le fait de lever la main en cours, de lever la main en cours. De lever la main en cours. De lever la main en cours. Ça a commencé avec le fait de lever la main en cours. Mes potes me disaient mais tu penses que tu vas un jour arriver à être confiant en levant la main en cours, tout le monde sait faire ça. Mes potes me disaient mais Mes potes me disaient Mes potes me disaient Mes potes me disaient mais tu penses que tu vas un jour à... Mais tu penses que tu vas un jour Mais tu penses que tu vas un jour Tu penses que tu vas un jour arriver à être confiant en levant la main en cours Arriver à être confiant en levant la main en cours Arriver à être confiant en levant la main en cours Arriver à être confiant en levant la main en cours tout le monde sait faire ça Tout le monde sait faire ça tout le monde sait faire ça. Tout le monde sait faire ça. Mes potes me disaient mais tu penses que tu vas un jour arriver à être confiant en levant la main en cours, tout le monde sait faire ça. À l'époque, j'étais trop stressé pour pouvoir répondre que oui. Mais c'était bien la seule idée que j'avais. À l'époque, j'étais trop stressé. À l'époque, j'étais trop stressé. À l'époque, j'étais trop stressé. À l'époque, j'étais trop stressé pour pouvoir répondre que oui. 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 Mais c'était bien la seule idée que j'avais. 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 À l'époque, j'étais trop stressé pour pouvoir répondre que oui. Mais c'était bien la seule idée que j'avais. Alors j'ai levé la main en cours, abordé des centaines d'inconnus, aller voir ces filles qui me plaisaient, parler en public. Alors j'ai levé la main en cours. Alors j'ai levé la main en cours. Alors j'ai levé la main en cours, abordé des centaines d'inconnus, aborder des centaines d'inconnus. Aborder des centaines d'inconnus. Aborder des centaines d'inconnus, aller voir ces filles qui me plaisaient. Aller voir ces filles qui me plaisait, aller voir ces filles qui me plaisaient, aller voir ces filles qui me plaisaient, parler en public. Parler en public. Parler en public. Parler en public. Alors j'ai levé la main en cours, abordé des centaines d'inconnus, aller voir ces filles qui me plaisaient, parler en public. Je me suis même lancé le défi d'aller dans des boîtes de nuit et parler à la première moitié de la boîte de nuit, leur dire bonjour. Je me suis même lancé le défi. De... Je me suis même lancé le défi. Je me suis même lancé le défi, je me suis même lancé le défi d'aller dans des boîtes de nuit, d'aller dans des boîtes de nuit, d'aller dans des boîtes de nuit, d'aller dans des boîtes de nuit et parler à la première moitié de la boîte de nuit. Et parler à la première moitié de la boîte de nuit. Et parler à la première moitié de la boîte de nuit. Et parler à la première moitié de la boîte de nuit leur dire bonjour. Et leur dire bonjour. Et leur dire bonjour. Leur dire bonjour. Je me suis même lancé le défi d'aller dans des boîtes de nuit et parler à la première moitié de la boîte de nuit, leur dire bonjour. Et en fait, je me suis rendu compte que la deuxième moitié de la boîte de nuit, celle qui arrive après, ben du coup, elle se dit mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour Et en fait, je me suis rendu compte. Que... Et en fait, je me suis rendu compte. Et en fait, je me suis rendu compte... Et en fait, je me suis rendu compte que la deuxième moitié de la boîte de nuit, que la deuxième moitié de la boîte de nuit, que la deuxième moitié de la boîte de nuit, que la deuxième moitié de la boîte de nuit, celle qui arrive après, celle qui arrive après, celle qui arrive après, celle qui arrive après. Bah ben, du coup, elle se dit ben du coup, elle se dit ben du coup, elle se dit Bah ben, du, dit... ben, du coup, elle se dit mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour. Mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour Mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour Mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour Et en fait, je me suis rendu compte que la deuxième moitié de la boîte de nuit, celle qui arrive après, ben du coup, elle se dit Mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour traditional french learning resources might not teach more casual filler words like bon and ben that's why you should learn with authentic content fluentu helps you learn french from ted talks music videos tv scenes movie clips and more our advanced platform has interactive subtitles a video dictionary and other features that help you learn the french that people actually use if you want to improve your french with us get a free trial in the description below C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vu que tout le monde a peur du regard des autres et tout le monde a envie, dans les yeux de l'autre, de paraître important, du coup, la première moitié de la boîte de nuit, dès qu'il passait à côté de moi, il faisait salut C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que. Dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, qu en fait, ce que vu que tout le monde a peur du regard des autres. Et vu que. Tout le monde a peur du regard des autres. Vu que tout le monde a peur du regard des autres. Vu que tout le monde a peur du regard des autres et tout le monde a envie. Et tout le monde a envie. Et tout le monde a envie. Et tout le monde a envie dans les yeux de l'autre de paraître important. Dans les yeux de l'autre de paraître important. Dans les yeux de l'autre de paraître important dans les yeux de l'autre de paraître important du coup la première moitié de la boîte de nuit du coup la première moitié de la boîte de nuit du coup la première moitié de la boîte de nuit du coup la première moitié de la boîte de nuit dès qu'il passe à côté de moi 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 il faisait salut il faisait salut il faisait salut. Il faisait salut. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vu que tout le monde a peur du regard des autres et tout le monde a envie, dans les yeux de l'autre, de paraître important, du coup, la première moitié de la boîte de nuit, dès qu'il passe à côté de moi, il faisait salut. Donc j'avais des gens qui me demandaient Mais est-ce que tu es le fils du patron Est-ce que tu es une célébrité Qui tu es Donc j'avais des gens qui me demandaient. Mais... » Donc j'ai même des gens qui me demandaient. Donc j'ai même des gens qui me demandaient j'avais des gens qui me demandaient mais est-ce que, es est que tu es le fils du patron Mais est-ce que tu es le fils du patron Mais est-ce que tu es le fils du patron Mais est-ce que tu es le fils du patron Est-ce que tu une célébrité, qui tu es Est-ce que tu es une célébrité, qui tu es Est-ce que tu es une célébrité, qui tu es Est-ce que tu es une célébrité, qui tu es donc j'avais des gens qui me demandaient, mais est-ce que tu es le fils du patron Est-ce que tu es une célébrité Qui tu es Et ça m'a fasciné de me dire que quelques détails dans ma communication, dans ma manière de respirer, pouvaient tout changer. Et ça m'a fasciné de me dire que. Et ça m'a fasciné de me dire que. Et ça m'a fasciné de me dire que. Et ça m'a fasciné de me dire que quelques détails dans ma communication. Quelques détails dans ma communication. Quelques détails dans ma communication, quelques détails dans ma communication, dans ma manière de respirer pouvaient tout changer. Dans ma manière de respirer, pouvait tout changer. Dans ma manière de respirer, pouvait tout changer. Dans ma manière de respirer pouvait tout changer. Et ça m'a fasciné de me dire que quelques détails dans ma communication, dans ma manière de respirer pouvaient tout changer. Great job. Now it's time for the test. Watch the video again and pay attention to how much more you understand. Du coup, je me suis lancé un défi, le défi de faire plein de choses que je connaissais pas et qui m'effrayaient liés au regard des autres. Ça a commencé avec le fait de lever la main en cours. Mes potes me disaient mais tu penses que tu vas un jour arriver à être confiant en levant la main en cours Tout le monde sait faire ça. À l'époque, j'étais trop stressé pour pouvoir répondre que oui. Mais c'était bien la seule idée que j'avais. Alors j'ai levé la main en cours, abordé des centaines d'inconnus, allé voir ces filles qui me plaisaient, parlé en public. Je me suis même lancé le défi d'aller dans des boîtes de nuit et parler à la première moitié de la boîte de nuit, leur dire bonjour. Et en fait, je me suis rendu compte que la deuxième moitié de la boîte de nuit, celle qui arrive après, ben, du coup, elle se dit, mais qui c'est ce type où tout le monde lui dit bonjour C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vu que tout le monde a peur du regard des autres et tout le monde a envie, dans les yeux de l'autre, de paraître important, du coup, la première moitié de la boîte de nuit, dès qu'il passait à côté de moi, il faisait salut. Donc j'avais des gens qui me demandaient Mais est-ce que tu es le fils du patron Est-ce que tu es une célébrité Qui tu es Et ça m'a fasciné de me dire que quelques détails dans ma communication, dans ma manière de respirer, pouvaient tout changer.